sing a song about Jesus. Let's sing a song about Him. Let's sing a song about Jesus and let the Spirit move within. Everybody get in one accord. Clap your hands and praise the Lord. Let's sing a song about Jesus. Come on and let's sing a song about wonderful Jesus. Jesus, the mighty God, Prince of Jesus, let's sing a song about Jesus. Come on and let's sing a song about wonderful Jesus, Counselor, Jesus, mighty God, Prince of Jesus, let's sing a song about Jesus. Come on and let's sing a song about Jesus. For me, if you're bound, He will set you free, because Jesus did it for me. What is said in His word is true, anything in His name He will do, and I know He will do it for you, because Jesus did it for me. Oh yes, He did. Jesus did it for me. Well, I'm so glad Jesus did it for me. Oh, if you're If you found, He will set you free, because Jesus did it for me. And what He said, oh, what He said in His word He will do. Well, anything, anything in His name He will do. So let's sing a song about Jesus. Come on and let's sing a song about Him. Jesus be the
Jesus made a believer. What an idea, praise his name. For since he shone his light of love on me, well, I've never, never been the same. Oh, he changed my life completely, oh, and he made it over anew. And if you'll only let him, he'll make a believer out of you. He'll make a believer out of you. Let Jesus make a believer out of you. Jesus made a believer out of me, oh, praise his name. Oh, since he showed his light of love on me, I'll never, never be the same. Well, he changed my life completely, and he made it over anew. And if you'll only let him, he'll make a believer out of you. He'll make a believer out of you. He'll make a believer. Oh, I know he'll make a believer out of you. Come on, let him make a believer out of you. I'm singing. Come on, let him make a believer out of you. Come on, let him make a believer out of you. He'll make a believer. I sing of my Redeemer. Oh, let's hear it, brothers. Amen, amen. Amen, amen. Oh, I sing of my Redeemer. All along the way, there is joy. Joy. Oh, let's hear it now. You sound wonderful. Oh, I love you. Singing, shouting. I love the old time way. I love the old time singing, shouting, preaching. I love the old time way. One more time. I love the old time singing and shouting. I love the old time way. I love the old time singing, shouting, preaching, praying. I love the old time way. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. How we thank you. How we praise you. Combien nous te remercions, combien nous te louons. Béni soit le nom du Seigneur. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. Amen. Let's open our heads in a word of prayer. Couvrons la tête dans un mot de prière. We have a brother Hess here, I believe. I have a note here. He has a sister, Peters. Frère Hess ici, il a une sœur. Son père est décédé d'une crise cardiaque. Si nous voulons prier pour elle, Almighty God, Dieu Tout-Puissant, we feel your being here. Nous sentons ton être ici ce matin. The presence of Jesus Christ. La présence de Jésus Christ. And Lord, I pray today, et Seigneur, je prie aujourd'hui que ce soit un jour où l'église de New York City n'oubliera pas. Je prie aujourd'hui que ceux qui ne sont pas encore entrés dans ta présence, et aujourd'hui ils puissent s'écrier, mon Seigneur et mon Dieu.
Je prie pour les rétrogrades d'aujourd'hui. Je prie pour ceux qui sont dans la confusion. Je prie pour les faibles aujourd'hui. Je prie pour les pécheurs au milieu de nous. Qu'il y ait une puissante et impétueuse présence du Saint-Esprit, merci Seigneur, qui va simplement descendre et remplir toute la maison sans que les mains soient imposées, sans que les mains soient posées sur les gens. Tu vas simplement venir au milieu des gens et tu vas enlever tout le mal, guérir toutes les maladies, guérir les corps malades et guérir les cœurs brisés. Oh, gloire à Dieu! Tous ceux qui sont blessés dans leur esprit, viens sur notre sœur Peters maintenant dans son deuil. Console-la aujourd'hui, Père. Nous ne la connaissons pas, mais nous sentons qu'elle est l'une d'entre nous. En ce qui concerne son mari qui vient de la quitter, qui est décédé, puisses-tu la consoler, Seigneur. Ramène les rétrogrades, les incroyants, change les gens, oint ton serviteur, oint les gens, et nous prendrons soin de te donner la louange, l'honneur et la gloire, parce que nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous voulez rester debout pour la lecture de la parole? Saint John, the 14th chapter. Saint Jean 14. Saint John 15. Saint Jean 15. And Saint John 20. Et Saint Jean 20. Saint John 14, 12. Saint Jean 14, 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et Saint Jean 20, verset 26. Nous avons été dans les versets 24 et 25 pendant 9 ans, donnant le témoignage à Thomas. Amen. Maintenant, c'est le temps pour Thomas, le temps pour qu'il croit, parce que la présence de Dieu est ici pour vous changer. Ainsi, nous sommes là 8 ans plus tard, depuis le 20 septembre. Ceci est la fin des 8 années, aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux que Thomas vienne dans la moisson à partir du 20 septembre? Oh là là! 8 années depuis le 20 septembre, après avoir témoigné à Thomas. Allons, Thomas. C'est ton jour aujourd'hui. Gloire à Dieu, amen. Verset 26. The doors being shut. And stood in the midst and said, "Peace be unto you." 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux cette fois-ci. Alors vint Jésus, les portes étant fermées. Thomas, reach hither thy finger and behold my hands, and reach hither thy hand and thrust it into my side, and be not faithless but believing. Se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. » Et Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jesus said unto him, « Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed.
Blessed are they that have not seen and yet have believed. Jésus le dijo porque me ha visto. Dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Et Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. May God the blessing. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, pouvez vous asseoir. Amen. We certainly want to greet our sister Peters today. Nous voulons saluer notre sœur Peters aujourd'hui qui a communion avec nous. May God comfort her. Et que Dieu la console. Amen. Well, praise God, what can we say? Eh bien, gloire à Dieu, que pouvons-nous dire? It happened last night. C'est arrivé hier soir. What happened on 70th Avenue and Lupin Street? Qu'est-ce qui est arrivé ici? You want to know what happened? Vous voulez savoir ce qui est arrivé? The fire falls at 70th and Lubin. Le feu so it's here now. Tombe là, à la rue Lubin, ici, stammering lips. Avec des lèvres balbutiantes. Je parle à ces gens. What a sign. Quel signe! Des lèvres balbutiantes. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Praise God, amen. Gloire à Dieu, amen. Blessed are you who have that have believed. Vous êtes bénis, vous qui croyez. La bénédiction est sur vous. The devil can't take it off of you. Et le diable ne peut pas l'enlever. Praise God is here. Gloire à Dieu, elle est ici. Le feu is all over the building. Est partout dans le bâtiment. Praise God, amen. Gloire à Dieu, amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I got a title. J'ai un titre. Blessed are they that believe it without seeing. Bénis ceux qui croient sans voir. I have a subject. J'ai un sujet. Super sign. Un super signe. God and man together. Dieu et l'homme ensemble. Amen. We want to acknowledge our brother and sister Herbs. Nous voulons saluer notre frère et sœur Herbs. Han sentido cambiado el Señor cambiarle el nombre de Melissa. Qui a changé le nom de Melissa en Rebecca Grace. Rebecca Grace Herbs. We don't care about the court here. Ainsi, ne nous soucions pas de l'enregistrement ici. Mais l'autre enregistrement dit que son nom est changé officiellement. Et nous prierons pour toi, Mélissa, après la réunion et nous allons joindre lui. Elle veut que son nom soit changé. Elle a dit, changez mon nom. Alléluia. Et dès que c'est arrivé, elle a eu un songe l'autre soir. Que son mon oncle serait là, ici, aujourd'hui. Et il est ici. Il est assis là, derrière. Il a quitté l'endroit ici, dimanche passé, vous vous souvenez, du 12 juin, il pensait qu'il était fini. Mais quelque chose en lui. Il devait être là aujourd'hui. My Lord and my God. Mon Seigneur et mon Dieu. What a sign. Quel signe. Oh, me today. Oy. How could he turn around? Comment aurait-il pu faire demi-tour lorsqu'il est sorti? Il est sorti dimanche passé. Il ne voulait plus revenir. Mais Dieu l'a ramené. Quel signe. Le temps de l'adoption. Aller après les perdus. Les faire sortir du monde. Gloire à Dieu. So I'm not going to build up to it. Ainsi, je ne vais pas édifier là-dessus, mais le signe est devant vous. Amen. Richmond, you can be a sign also. Et Richmond, tu peux être un signe aussi pour ta maman. Allez après les perdus. God can change your mind. Et Dieu peut la changer. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory.
Some of my Spanish-speaking friends. Et certains de mes amis qui parlent espagnol au sous-sol et au balcon, ils ne comprennent pas. Et vous pouvez être un signe aussi. Vous qui êtes revenu, toi qui es revenu aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a ramené pour être un signe. Tu as essayé de t'en aller les deux dernières semaines. Mais je parle aux familles, vous ne pouvez pas vous en aller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un super signe. Dieu et l'homme ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. My, my. Last night, a little short prayer. Hier soir, une petite prière. Lord, seal them. Seigneur, scelle-les. Et immédiatement, le feu est tombé. Vous avez testé au scellement. Vous avez goûté. Lorsque vous avez goûté au scellement, vous ne serez plus le même. Vous savez qu'il est réel. Ça a été prophétisé. Le temps est proche pour le déversement du Saint-Esprit, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Prophétisé. Le lion a rugi. Le Seigneur a parlé. Qui ne prophétiserait des lèvres balbutiantes? Alléluia. Ceci est le repos. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Alléluia. Vous y voilà maintenant. Le Saint-Esprit. Remplis-les. Scelle-les. Gloire à Dieu. Alléluia. Le scellement a commencé. Ils sont en train d'être scellés, remplis, réemplis, délivrés, sanctifiés. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci est cela. Ce qui a été parlé par le prophète Malachi 4. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Oh, hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. My glory. Oh, my, my. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, the Holy Spirit is here. Le Saint-Esprit est ici. My, my. Oh, who do you say this is? Qui dites-vous que c'est? Il est ici. He's all over me. Il est partout, tout autour de moi. Il me garde vivant. Then came Jesus. Alors vint Jésus. Hallelujah, here he is. Et le voici. Jesus is here. Jésus est ici, filling the people, en train de remplir les gens, healing the people, de les guérir, without hands being laid on. Sans l'imposition des mains. Gloire à Dieu. God and man together, Dieu et l'homme ensemble, sign. Un super signe. Hallelujah. Glory, glory to God. Gloire Thank à you, Dieu. Jesus. My, my. Oh, hallelujah. Glory, glory. My glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. My, 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 my. Oh, hallelujah. My, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Lord. Oh, my. Glory. You believe he's here now? Croyez-vous qu'il est ici maintenant? Thomas? 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 What can you say? Que peux-tu dire? Deity is here. La divinité est ici. You're in the presence of deity. Vous êtes dans la présence de la divinité. No puede hacer más. The only thing you can say. La seule chose que vous pouvez dire, Lord, c'est mon Seigneur, mon Jéhovah, my God, mon Dieu, my Elohim, mon Elohim. Je crois. I believe, je crois. I believe, je crois.
Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Praise his name. What shall I do? Where do I go? Que ferai-je? Où vais-je aller? Hallelujah. Praise God. Glory to God. My. Hallelujah. My. I won't be here long today. Je ne serai pas long aujourd'hui. That's for sure. Ça, c'est sûr. I'm almost finished now. J'ai presque terminé maintenant. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, my. Hallelujah. The anointing is here. L'onction est ici. Recevez le Saint-Esprit au balcon, au sous-sol. Recevez le Saint-Esprit. Il est ici, en train de remplir son peuple. Il vous baptise. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I can't stand a minister. Je ne peux pas rester là pour prêcher. La gloire de Dieu est dans le temple. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous dire? Un super signe. Dieu et l'homme ensemble. Ah, quel est le super signe? La résurrection de Jésus-Christ. L'onction est sur vous. L'onction est ici. Un super signe. Les gens sont oints. Emmanuel, Dieu, demeurant avec nous. Un super signe. Dieu et l'homme ensemble. Be praised. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Glory. This is the appearing. Ceci est l'apparition de Jésus-Christ. He's appearing. Il est en train d'apparaître. Right here now. Ici, maintenant. This is not his coming. Ce n'est pas sa venue. Gabriel will blow the trumpet. Gabriel va sonner de la trompette. All three angels are here now. Mais les trois anges sont ici maintenant. Elohim est ici. Michael est ici. Et Gabriel est là. Gloire à Dieu. Mais nous l'appelons Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh my. Glory. What is it? Qu'est-ce? Le signe de la résurrection. Le signe de la résurrection sera accompli dans une génération méchante et adultère. Elle fut accomplie dans le livre des Actes. Jésus, ressuscité des morts, il est venu dans Pierre, Jacques et Jean, et ils ont accompli le livre des Actes. C'était le livre des Actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit agissant au travers des hommes. Un super signe aujourd'hui. Un super signe. Elohim voilé. La colonne de feu voilée. Je vous défie de ne pas le croire. Il y a trop de puissance ici. Vous ne pouvez pas ne pas croire. Vous savez qu'il est ici. Et je le dis, il se déverse sur vous. Allons, Thomas. Allons, Thomas. Gloire à Dieu. Le messager et le message sont un. La parole est dans l'église, dans la personne. Les malades sont guéris. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Nous y sommes. Alors vous porterez beaucoup de fruits. Et ici, mon Père est glorifié. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, my. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. Thank you, Jesus. We're here. Nous y sommes. My.
15 minutes et le feu est tombé. C'est cela ce dont le prophète Malachi 4 a parlé. La dynamique sur la mécanique est ici. Qui va l'arrêter? Vous ne pouvez pas rétrograder. Nous avons le ainsi dit le Seigneur. Parle et va de l'avant. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. My, my, my. Glory, glory. Oh, my. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La puissance est dans l'église maintenant. Mais vous laissez votre foi s'en aller. Mais votre foi a été restaurée. Sept tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance. Voici la puissance. C'est la poudre à canon qui est en vous. Et Michael est ici. La foi parfaite, il a mis le feu à la puissance du Saint-Esprit. Elle se déverse. Il ne peut pas l'arrêter. Des fleuves d'eau vive. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, my. Il y a une clé à la loi de la foi. Il y a une clé à la loi de la puissance. Et c'est la foi. Le roc toujours présent. La présence. L'eau toujours présente du rocher est ici. C'est la présence de Jésus-Christ. Il y a assez de puissance pour vous guérir, pour vous sceller. Quelqu'un a peut-être déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. Vous êtes dans la présence de Jésus-Christ. Et vous devez avoir la bonne attitude. Vous devez dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsque vous en irez, à partir de maintenant, jusqu'à la résurrection, bien que vous ne soyez pas guéri, peu importe ce qui vous arrive, vous savez aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur. Et si vous avez cette attitude-là, alors Dieu vous a guéri. Si vous dites à cette montagne, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, et si vous croyez ce que vous avez dit, vous recevrez ce que vous avez dit. Qui va l'arrêter? Aucun démon ne peut l'arrêter. Ne peut arrêter les guérisons. Ne peut arrêter les délivrances. Ne peut arrêter le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ et votre attitude amène les résultats. La mécanique est ici. De même, la dynamique. Si vous pouvez seulement commencer, vous pourrez être scellé aujourd'hui. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Je vais dire ce qui se passe et puis je m'en irai. Il y a trois étapes. La grâce, la puissance, la présence ont été restaurées. La puissance de Dieu pour se faire connaître. Il s'est présenté à vous hier soir. Ne le manquez pas. La puissance de Dieu est tombée hier soir. Mais aujourd'hui, ceci est le 40e jour, le 11 août jusqu'au 19 septembre, ça fait 40 jours. Hallelujah. C'est le point culminant. Dieu, acte 1-3, il est ici, se montrant vivant. Gloire à Dieu. Hallelujah. Il est en train d'apparaître dans son église par des signes, prodiges, miracles. Oh, hallelujah, praise God. Gloire à Dieu. My, my. Glory to God. Gloire à Dieu. Oh, my.
Did you understand that? Comprenez-vous cela? Acte 1, 3. To whom he showed himself alive. À ceux à qui il s'est montré vivant. Après sa passion. Numéro 1. Par de nombreuses preuves infaillibles. Numéro 2. Being seen of them 40 days. Ayant été vu pendant 40 jours. Numéro 3. Speaking things pertaining to the kingdom. Parlant des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Trois choses. 40 jours. The resurrection of Jesus Christ. La résurrection de Jésus-Christ. The seven thunders. Les sept tonnerres. Au milieu de vous. Christ. Michael. Michael. Resurrected. Ressuscité. Vous êtes maintenant en train d'adorer le Dieu vivant, le Dieu qui a écrit la parole. Que ce Dieu manifeste la parole. Qu'est-ce que c'est? Un super signe. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci est la présence de Jésus-Christ. Elohim. Gloire à Dieu. Malachi 4. Les sept sceaux, sept tonnerres, la mécanique et la dynamique, le signe du temps. Saint Luc 17, 30, Malachi 4, Apocalypse 17. Ceci est cette promesse, la puissance surnaturelle de Dieu qui est ici aujourd'hui. Michael, le septième sceau, ce David, sous la forme du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ainsi je dis par inspiration en ce 40e jour. Alléluia. La troisième marche est ici. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vivant dans cette église. Alléluia. Oh là là, gloire à Dieu. Merci Jésus. My. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. My. Praise God. So I'm closing. Ainsi, je vais terminer. What can I say? Que puis-je dire? The same presence. La même présence. Be like Mary. Soyez comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Vivez une vie de foi comme Abraham. Jésus était la parole que Abraham et Marie croyaient. Ceci est la parole, Abraham. C'est la parole, Marie. Et Abraham et Marie croyaient la parole. C'est ainsi qu'un ange Gabriel a visité Marie, que trois anges ont visité Abraham. Abraham. Ils ont tous les deux vécu la parole. C'est le chemin. Vivez de cette manière dans votre maison, au travail. Si Dieu veut vous utiliser, maintenant il est ici maintenant. Nous avons atteint ce 40e jour. Nous sommes entrés dans une période courte d'attente de 10 jours pour que chacun reçoive le Saint-Esprit. Mourez à vous-même. Vivez, soyez placés positionnellement et puis viendra la résurrection. Nous y sommes. Oh, gloire à Dieu. Vivez une vie. Si Dieu veut vous utiliser, il sait exactement où aller vous chercher. Il n'est pas allé en Sodome. Il est allé chercher Abraham. Il vivait la vie. Il sait exactement où aller vous chercher. Vous êtes dans une position d'être visité par un ange en vivant une vie pure devant Dieu. C'est le genre d'endroit où l'ange va aller. Vos paroles sont honnêtes. Votre vie est réelle. Regardez Elisabeth et Marie marchant honnêtement et de manière droite dans les commandements de Dieu. Et c'est ainsi que nous voulons vivre. Ainsi, lorsque Dieu voudra nous utiliser, il saura exactement où faire descendre la main de Dieu. Il pourra dire à Michael, va dans cette maison et l'ange de l'Éternel ira dans votre maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Il pourra dire à Michael, New York City, là se trouve mon peuple, c'est mon église. Amen. Ils me croient. Ils se tiennent sur ma parole.
C'est ainsi que nous voulons vivre pour la visitation de Michaël. Et l'ange viendra, il a un message pour vous. Saint Luc 1:30, l'ange Gabriel avait un message pour Marie. Et l'ange lui a dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Quel message pour Marie, quel message de Michaël pour vous aujourd'hui. Tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce. Vous avez trouvé grâce. Marie, Michaël est ici, en train de déverser sa présence. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin du Saint-Esprit, pensez à ces Écritures. Si vous avez besoin de consolation dans cette semaine, pensez à cela. Vous avez trouvé grâce. Lorsque vous serez épuisé, lorsque vous serez fatigué, vous avez trouvé grâce. Lorsque vous serez en bas, déprimé, alléluia. Tu as trouvé grâce, Marie. Voilà, Marie, tu es arrêté sur place, là où tu es, tu as trouvé grâce. Quelle foi Marie avait, qu'il me soit fait selon ta parole. Si New York City pouvait être comme Marie, Dieu l'a dit, cela doit être vrai. Marie n'avait que sa parole. Qu'il me soit fait selon cette parole, non pas selon ses sensations, pas selon ce qu'elle voyait, mais directement elle a témoigné. Elle n'a pas attendu de sentir la vie. Elle n'a pas attendu, elle a témoigné directement, elle a tout de suite témoigné, en croyant sans voir. Bénis sont ceux qui croient sans voir. Marie a témoigné, elle n'avait encore vu aucun signe. Voilà une véritable semence d'Abraham. L'épouse dit Amen à chaque parole de Dieu. 6 mois plus tard, elle a rendu visite à sa cousine Elisabeth. Et Elisabeth avait Jean. Et le bébé était mort dans son sein. Il ne bougeait pas. Mais Marie a parlé ce nom. La vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit est entré dans Jean. Il fut rempli dans le sein de sa mère. Et nous avons parlé ce nom. Alors vint Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, my. Hallelujah. Super sign. Un super signe. The resurrection of Jesus Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Oh, my. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Saint Jean 20, après 8 jours, les disciples étaient là. Alors Jésus vint, et les portes étaient fermées. Que la paix soit avec vous. La présence de Dieu a changé Thomas. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais bénis sont ceux en dehors, dans l'épouse, qui n'étaient pas là pendant ces 40 jours, ils seront bénis. Mais vous avez été bénis pendant ces 40 jours, parce que vous m'avez vu. J'étais vivant au milieu de vous. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité est ici. Oh, gloire à Dieu. Thomas, l'incrédulité, les doutes de Thomas, le témoignage de Thomas était, je ne croirai pas. Et le témoignage des 10 disciples, nous avons vu le Seigneur. Mon témoignage, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, Thomas, tu ne peux plus te cacher. Il est ici. Il est tout autour de moi. Et il me garde vivant. Hallelujah, hallelujah, gloire à Dieu. Thomas, if you won't say
Thomas, si tu ne dis pas mon Seigneur et mon Dieu, alors ce sont les chaises qui vont crier. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas un homme aujourd'hui, c'est Dieu dans l'homme. Nous y sommes, les amis. Pianiste, organiste. Le baptême du Saint-Esprit est ici. Il est ici maintenant, juste au milieu de nous. Une citation, Jéhovah Jireh, page 159. Lorsque le baptême du Saint-Esprit est rendu réel pour les gens, ceux qui sont prédestinés, comme vous ici, amen, à la vie éternelle, vous le voyez et vous marchez dedans. Le voilà. Vous le voyez maintenant. Vous serez rempli. Qu'est-ce que c'est? Un super signe. Posséder les portes de l'ennemi. Qu'est-ce que le super signe? Michael, en vous, possédant chaque porte de l'ennemi. Nous avons conquis les portes de la crainte, de la peur. La porte de l'incrédulité, la porte du doute, la porte de la convoitise, la porte de la souillure, la porte de l'impiété. Nous nous sommes emparés de toutes les portes. Alléluia. Merci Jésus. La puissance est ici pour nous emparer de ces portes et faire tout le chemin et dire encore une fois, Seigneur, encore une fois, je suis pur, je suis libre, envoie le feu, scelle-moi, remplis-moi. Gloire à Dieu, un super signe. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je ne peux plus prêcher. Il est tout autour de moi. Il me garde vivant. Il est confirmé. Il est ici. Oh, alléluia. This is the message. C'est le message. Ouvrant sa parole. En Californie. Frère Branham a prié ici. Je prie, Seigneur, que cela soit ainsi ce soir. Que tes pauvres enfants malades, ici, voient la promesse de Dieu. Et que chacun d'eux soit guéri. Et s'en aille d'ici aujourd'hui. Avec des corps neufs. En bonne santé. Accorde-le, Seigneur, afin qu'ils puissent se passer le message l'un à l'autre jusqu'à ce que le dernier soit entré dans le troupeau. Et alors, les portes seront fermées. C'est le message. Jésus-Christ vit à nouveau. La puissance est de retour. La présence est ici. Il vit. Alléluia. Nous sommes vivants. Le message de Malachie 4 est correct. Et regardez vos familles venir. Vos corps seront guéris. Vos esprits seront guéris. Vous serez remplis, scellés. Vous êtes libres. Dernière citation. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, voilà ce que je fais. J'ai édifié depuis longtemps jusqu'à cet endroit. Je l'ai fait dans de certains y aient compassion à la fin de la bande. Nous sommes arrivés à la ligne de prière. J'ai demandé à Frère Livel, est-ce que tu veux qu'on impose les mains ou bien sans les mains? Et les ministres pensaient, ils sentaient l'onction. Ils ont dit, nous ferions mieux d'imposer les mains. J'étais prêt ce jour-là parce que la charité était là. Mais ils ne l'ont pas compris. Ainsi, la troisième phase, c'est la charité. Il va revenir pour confirmer la première. Et la première, c'est l'affection fraternelle. Et maintenant, la charité est ici. Voici la citation. Amen. Le message. Ensuite vint Jésus. Jeffersonville. Citation. J'ai été inspiré de prononcer ces paroles et de dire qu'un jour glorieux, que tous les dons qui sont dans l'église seront mis de côté sur la cheminée, comme on pourrait dire, et le Saint-Esprit lui-même
va prendre le contrôle de l'Église d'une telle manière, avec amour divin, au point où les malades seront guéris, les aveugles verront, les infirmes marcheront sans l'imposition des mains. Ce sera une grande unité. Nous y sommes. Gloire à Dieu. C'est l'heure. Croyez-vous cela? Gloire à Dieu. Merci Jésus. La puissance est en vous maintenant. Une dernière citation ici. L'eau toujours présente du rocher. À la page 23. S'il y avait une loi, fils et filles de Dieu créeraient un monde pour eux-mêmes et ils iraient vivre. Vous avez la puissance de le faire. Si vous avez l'ombre de la puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omnipotent. Pourtant, voyez-vous ce que je veux dire? La puissance est en vous pour faire de vous parler un monde en existence et aller y vivre. Vous y voilà, c'est en vous maintenant. Pensez-y, la puissance de parler des écureuils à l'existence est en vous. C'est votre message. Le message, la parole parlée, c'est votre message. Il est en vous. La puissance. La foi est en train de s'élever. Elle monte. Elle s'élève. Tout peut arriver. Alléluia. Voilà la puissance qui est dans l'Église maintenant. Mais elle est contrôlée par une loi. Et cette loi n'est pas de garder un tas de commandements. C'est une loi de foi. Jésus a dit, tout est possible à ceux qui croient. Si vous pouvez le croire, et tout ce que Dieu vous conduira dans votre âme, pas dans la tête, mais la semence est dans l'âme. Eh bien, il va conduire lui-même pour que vous le croyez. Et la tête est en vous. Et tout est possible. Cela vous appartient. Le message de la tête est en vous. La parole parlée. Si vous pouvez le croire, tout ce que vous direz à cette montagne, cela vous appartient. Les yeux aveugles s'ouvriront, frères d'Anis guéris. Les guérisons arrivent sans l'imposition des mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est ici maintenant. Prions. Priez. Que Dieu, le Saint-Esprit, courbez la tête. Il est ici maintenant. Priez. Priez en espagnol. Priez en anglais. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, alors va Jésus, Père. Tu m'as dit de faire ceci aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Et je le fais aujourd'hui. Glory, glory to God. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, que Jésus descende ici maintenant, prend le contrôle de l'Église, sans l'imposition des mains, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les aveugles voient. Puisses-tu chasser les démons, délivrer, sanctifier, puisses-tu guérir les gens aujourd'hui, comme signe de la résurrection, la puissance de résurrection de Jésus-Christ, de retour dans l'Église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous parlons la parole. Gloire à Dieu. Et nous disons merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions pour la guérison. Nous te remercions avant que ça n'arrive. Nous te remercions maintenant pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour le salut de notre famille. Nous te remercions pour chaque bénédiction de la Bible. Béni est celui qui croit sans voir. Glory to God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. The presence of deity is here. My. La présence de la divinité est ici. Oh my, thank you Jesus. Thank you Jesus.
Praise God. The angel of the Lord is here. L'ange du Seigneur est ici. The angel visit your neighborhood. Regardez l'ange. Visitez votre voisinage. Voyez le réveil, le témoignage. Oh là là. J'espère, lorsque je reviendrai le 17 octobre, que beaucoup seront remplis, scellés, que beaucoup seront guéris, délivrés. Ce sera une grande unité, un super signe, Dieu et l'homme ensemble. Louange au Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Oh, can we thank the Lord? Pouvons-nous remercier le Seigneur? Oh, hallelujah. It's here. C'est ici. It's here. Amen. My 40 days. 40 jours. God. Dieu has vindicated himself. S'est confirmé lui-même. Oh, praise God. I wonder if you know what has happened. Je me demande si vous savez ce qui se passe. Oh là là. Oh, praise God. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. Oh, if you thank him, you remerciez-le. Might get sealed. Si vous le remerciez, vous pourriez. You praise him, vous pourriez être scellé. Si vous le louez, glory, il pourrait vous guérir. God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Jésus Père. How we thank you. Combien nous te remercions. How we praise you. Combien nous te louons. Oh my. I did it, Lord, as a sign. Amen. For you to come down. Je l'ai fait en tant que signe. Que tu descends. Seal them. Viens les, glory, glory, les guérir, glory, les sceller. To God. Gloire à Dieu. Oh my, my, my. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Glory to God. Mm. Shout. Thank you. Oh my. Glory. Mm. Ah. Shout. Oh, praise. Here he comes again. Le voici qui revient. Here he is. Oh, glory, 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 glory. Here he is. Hallelujah. Fire is falling on 70th and Lubin Street. The fire is falling. Le feu est en train receive de tomber. The Holy Ghost. Recevez receive le Saint-Esprit. Your receive your deliverance. Recevez votre guérison, votre délivrance. Hallelujah. Praise God. Praise my God. Praise, praise him, praise him. Thank him. Glory, glory. Remerciez-le. God. Louez-le. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise God. Keep on praising him now. Continuez à le louer maintenant. My, my, my. Oh, my. Hallelujah. Lord God, fill my son. Fill my daughters. Seigneur Dieu, remplis mon fils, remplis mes filles. Fill brother Junior, brother Joey. Remplis frère Junior. Frère Joey, frère Kenyones, les diacres, leurs épouses, les huissiers, tous ceux qui aident, l'administrateur, la musique, les musiciens, dans la section d'enregistrement. Mon Dieu, mon Dieu. Merci Seigneur. Hallelujah. Praise God. What can we say? Que pouvons-nous dire? Oh, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, my. Thank you, Lord. Glory, glory. Rapture and grace is here. La grâce de l'enlèvement est ici. This day, les sept tonnerres, aujourd'hui, donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. C'est la charité, elle est partout dans le bâtiment. Oh, hallelujah, oh my. What can we say? Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire? Oh, my, I feel like flying away. Oh, j'ai envie de m'envoler. I feel like going in the rapture. J'ai envie d'aller dans l'enlèvement. Glory, I'll fly away. Je m'envolerai. Feel like flying away. Voulez-vous vous envoler? Oh,
fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Some glad morning, when this life is o'er, I'll fly away. To a home on God's celestial shore, oh, I'll fly away. Oh, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Glory! Just a few more weary days and then I'll fly. Like an eagle, like a eagle, from prison bars has flown, I'll fly away. Oh, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, when I die, hallelujah, by and by, I'll